sous la constitution, les doulègues en vacances, il y a 90 jours pour vacances comblées. Ça veut dire, élection, à partir de les vacances là, il a besoin 90 jours pour nous faire élection. Ça nous fait solide. Bon, comme les rivières dans le CEPA, c'est ton machine qui pas marché, son machine qui était campée. Donc, nous dit, nous mettons sous pied un pré-calendrier, ça veut dire, nous gagnons des préalables d'au niveau administratif et technique pour nous mettre sous pied. Et là, nous mettons tout ça sous pied. 90 jours après, nous avons fait l'élection. Mais ça veut dire, oui, pré-calendrier. Tout ça veut dire, si l'on est entré 19 avril, là, après tout problème politique, nous monter après consensus, après l'accord de 24 décembre, si tout bagaille était paré, tout bagaille était huilé, machine dans en fonctionnement, 90 jours après, nous supposé qu'à faire élection. Comme nous pile bagaille qui fait sous pied, pour nous là, nous prenons tête, nous, des délais pour nous dire 1, 2, 3, 4, mais qui ça nous va le faire? Et qu'on fin fait, ce sont les préalables, ça fait les pré-calendrier. Et puis qu'on fin mettre tout ça sous pied, 90 jours après, nous disons qu'on fait élection. Et malgré ça, les nous dit 26 janvier, nous pas dit n'a fait élection 26 janvier, nous dit date probable 26 janvier, premier tour. Ça veut dire à partir du 26 janvier, si toutes les conditions sont réunies, si tout le monde et les pouvoirs publics et les autres partenaires fait travail et nous-mêmes nous finissons fait travail par nous, nous dit à partir du 26 janvier, les élections sont possibles pour nous commencer le premier tour du scrutin. Voilà, et ça veut dire, c'est pré-calendrier. Il y a des gens qui disent que c'est provocation, il y a des gens qui disent que je dois arrêter moi, il y a des gens qui disent que je dois démissionner, alors que depuis là, nous finissons monter, ils disent nous, après nous ne pouvons jamais calendrier. Ils disent que c'est péché à la marche, ils disent qu'ils ont fait mission dans tout le pays, là, c'est le pays qui confie l'eau avec l'exécutif là, parce qu'ils refusent le calendrier. Il y a des gens qui te disent élection, il n'y a pas besoin de faire qu'on y a, on fait en 2014 ou bien en 2015. Il y a des gens qui disent en 2013 là pour faire élection ou démission. Mais quand il y a me dit, mais qui travaille m'a fait, et là, fin fait, mais qui est élection qu'a fait, il dit moi que ils sont provocateurs. Donc ça veut dire, il y a des gens qui ont deux bougies dans mes moi-même, toute carrière, moi, je fais, je vais me prendre brevet des compétences. C'est pas là que je vais me prendre. Je fais un travail légal, constitutionnel, disposition administrative que je prends là, ce sont des préalables pour me capable bailler un calendrier d'opération électorale. Tout, alors, pour me payer mon moins de, pour me louer caille, pour me faire journaliste une accrédité, pour chaque conférence de presse, sexy journaliste, non même média pas rentré, parce que ça l'a pas gros, pour me demander et mettre sous pied machine en province, l'un département, l'un et commune, pour moi faire parti politique, parce que y a un parti politique qui a mis tête ensemble, il a fait groupement, il a fait plateforme, parce que c'est pas le ministère de la justice qui autorise une plateforme, c'est CEPA. Donc tout ça, m'a fait avant, en attendant que nous rentrions dans le calendrier opération électorale. Mes amis, il faut que vous passez un peuple ça. Comme peuple haïtien lui-même tout, assez souvent le cas comprendre. Donc, là, il dit moi que son provocation, même d'ab baili la nuit, son bagage champrel, nous croyons que gain un discours nous fait pour nous kembe, là nous sommes responsables politiques. Toutefois, je ne vais pas rentrer la polémique avec mes amis de la classe politique ou bien des associations. Peut-être que c'est comprendre, pas de comprendre. Ça veut dire, parce que dit pour faut être des pré-calendriers. Ou même sous le fond mondial, en 1973, ça a été fait en Haïti avant dans le mondial là. C'est un pré-mondial. Donc toujours qu'il est prêt, oui, ça veut dire prêt avant. Tout ça va faire avant que ce qu'il faut faire ou faire. C'est ça pré-calendrier. Et je persiste ici que toutes les activités qui écrit le pré-calendrier, c'est des bagailles administratives. Et les nombres date là, nous pas dit les élections se tiendront le 26, nous dit pas probable 26 janvier, parce que l'enfin fait tout préo qu'on y est là, nous pas le fait ça qui a constitué opération électorale lui-même. Donc tout ce qu'on dit là, monsieur Emmanuel Ménard, en tant que président de CTCEPA, il fait partie pré-calendrier électoral là, normalement. Donc, normalement. Donc réaction que tu as faite, d'après vous, c'est des réactions politiciennes tout simplement. Bon, nous la politique, les enjeux gros, soit nous sommes capables de bonne foi, ils ne pas de comprendre comment expliquer, parce que il y a des conseillers eux-mêmes qui disent que ils ont l'envoi pour calendrier. Donc c'est peut-être des conseillers qui ont leur agenda politique propre. La seule chose que je me rappelle, là où on fait partie d'une assemblée, quand une majorité vote, ou même on doit consigner que vous avez voté contre. On ne peut pas dire que vous contestez. Lorsque
son bagage, son suite au cadre. C'est comme si Ndado, je suis sénateur, je suis dans le Sénat, un projet de loi vient devant moi, et puis je vote contre. Si je vote contre, la majorité sénateur vote pour, moi, je vois que la position de minoritaire est perdue. Je ne peux pas dire que je conteste. Si je conteste tout le temps sa majorité à faire, c'est que je vire de moi. Parce que moi, si je tâche à l'Assemblée, tout ça que je voulais faire, yo, pas voulu me faire li. Et puis tout me sentir ça qu'a fait là, li contre mes convictions profondes. D'homme, d'abord, mon cher, celle ça pour me d'a fait, c'est rendre mon tablier. Si mon retourne chita encore, donc ça veut dire, c'est des autres doubles brigandais, mes besoins faits. Donc, je rappelle, et les collègues qui siègent, c'est pas un pré-calendrier, c'est pas pré-calendrier président relié. Nous siéger conformément à la loi le mardi 1er octobre en session ordinaire et puis il y a 8 conseillers qui ont siégé, la vice-présidente était en voyage. Donc, nous passons au vote. Il y a 6 conseillers qui votaient pour et il y a 2 qui votaient contre. Et m'a rappelé, l'un d'eux qui votaient contre là, nous avons discuté du projet pré-calendrier. Il y a un conseiller, Néhémie, c'est lui-même qui m'a dit pour nous insérer là-dedans la liquidation des dettes et des bagages comme ça. L'autre conseiller, et Léopold, moi, c'est lui qui a suggéré, parce que nous avons dit fermeture de la liste électorale, lui-même lui a demandé nous, au lieu de fermeture, pour nous mettre début de mise à jour. Donc, ça veut dire qu'ils ont participé à l'élaboration de ce pré-calendrier. Et des points qu'ils n'ont pas d'accord, ils ont passé au vote, la majorité d'accord. Donc, je comprends formal pour après, pour ces conseillers, dis-moi, ils ont contesté, ils ont rejeté, et ces présidents qui viennent avec bagaille, ils ont poché. Donc, bon, on va faire polémique avec des amis, des collègues, et d'ailleurs, ce sont des pères, mais quand même, je dois pouvoir et rappeler pour la vérité et pour l'histoire que ce comportement est un peu bizarre.